Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment installer une extension par le biais de l'administration de votre WordPress. Donc une fois que vous êtes connecté à votre administration, vous vous rendez donc dans le menu de gauche à Extension et vous cliquez sur Ajouter. Et donc là, on va arriver sur le répertoire d'installation des extensions où vous avez quelques suggestions ici. Donc on va partir du principe que vous connaissez le nom de l'extension que vous voulez installer. Donc vous tapez son nom ici dans le champ de recherche. Voilà. Donc moi je l'ai déjà installé sur un autre blog, donc j'ai la suggestion. Donc je vais installer Site Origin CSS. Donc on appuie sur Entrée faire la recherche et donc là on vous suggère donc les résultats en rapport. Donc ça tombe bien, c'est la première, c'est d'une CSS. Donc il vous suffit de cliquer sur plus de détails pour vérifier que l'extension est bien compatible pardon avec votre installation. Donc moi je suis en WordPress 4.2.2. Donc c'est bien compatible, donc il n'y a pas de souci, on peut y aller. Donc on clique sur Installer maintenant. Donc là, l'extension s'installe automatiquement. Et dès qu'elle sera installée, on va avoir une fenêtre qui va nous demander si on veut l'activer ou retourner à l'installateur des extensions. Voilà. Donc bien évidemment, pour que cette extension fonctionne, il faut l'activer. Donc vous cliquez dessus. Et dans quelques secondes, voilà, nous voici arrivés donc sur le tableau de bord et notre extension est installée. Eh bien, écoutez, je n'ai terminé avec ce tutoriel vidéo et je vous dis à bientôt pour un autre. Allez, ciao, ciao!